Donc, pour vous expliquer un petit peu, donc là, la voiture elle a fini sa course ici. Ça a démarré de là-bas. Donc, on le voit dans la vidéo que j'ai postée, la marche arrière. Là, il a fini sa course. Donc, d'après ce que j'ai compris, il était muni d'un petit couteau. Et j'ai pas tous les éléments, on sait pas tout, donc je peux pas m'avancer. Tout ce que je sais, c'est que l'homme a été abattu. Donc, voilà. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de balles qui a été tiré. Donc les habitants sont un peu sous le choc. Puisqu'il y avait des enfants sur place. Il aurait pu être maîtrisé un peu mieux que ça. Donc voilà, d'autres éléments à venir un peu plus tard pour éclaircir tout ça. Donc voilà.